Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve aujourd'hui sur 7 Days to Die pour le deuxième épisode de ma troisième saison en multijoueur sur le serveur Anorexia. Donc comme d'habitude, on va faire un petit résumé assez rapide parce que on va le faire ici directement de ce qui s'est passé lors du dernier épisode et depuis. Et ensuite, je vais vous proposer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, tout simplement, ce qui s'est passé lors du premier épisode, arrivé sur le serveur, hein, évidemment, j'ai rejoint mes compagnons de clan. Et aussitôt, nous sommes partis en vadrouille, en ville, donc à la recherche d'une ville qu'on a trouvée très très proche de notre campement, donc ça c'est très très bien. Et on a commencé sur cette ville, à fouiller de A à Z cette ville. Donc on a trouvé beaucoup beaucoup de choses, dont une tronçonneuse et de l'essence. Enfin bref, je vous passe les détails si vous voulez les avoir, regardez l'épisode précédent. Voilà, et depuis, écoutez. Je n'ai absolument rien fait puisque on va commencer ensemble aujourd'hui la construction, au moins les fondations de la base réellement. Puisque là pour l'instant on squatte sur un toit, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus inattaquable. Voilà, donc sans plus attendre, on va se retrouver directement en jeu. Allez, à toutes. Et voilà, donc on se retrouve en jeu au niveau de notre campement, donc comme je vous l'ai dit, sur un toit. Et on va commencer aujourd'hui la construction d'une base. Donc on va la construire ici. Donc je vais voir s'il faut que je détruise les maisons ou pas, mais je pense que oui. Et du coup, je vais construire ici une assez grande base. On va y aller secteur par secteur, hein. Je compte faire 9 secteurs en tout. Donc je vais commencer par celui du milieu, le secteur principal où il y aura tous les coffres. Le plus blindé aussi, puisqu'il sera double épaisseur, je pense. Et voilà, donc ça sera la tour principale. Et tout autour, je vais faire d'autres secteurs hein, avec d'autres éléments. On verra ce qu'on pourra y mettre. Allez, on va descendre directement et on va commencer à tracer ensemble les premiers éléments de la base. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Donc, hop, on descend de ce perchoir. Voilà, donc il est déjà 10h20, donc il va pas falloir traîner. Je vais définir donc le bord de ma base ici. On va faire des carrés de 11 par 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc pareil ici. Alors est-ce que j'ai compté le premier ou pas? Je ne m'en souviens plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Oui, j'ai compté le premier. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors pourquoi 11? 11, c'est la taille de la caisse-tonne. La caisse-tonne fait 11 par 11. Donc du coup, le fait de faire des carrés dans 11, du coup, je vais construire à l'intérieur de ces carrés pour que ça soit protégé par la caisse-tonne. Donc on va faire 9 carrés de 11. Mais pour l'instant, je vais réellement en construire un seul, celui qui sera au milieu. Mais avant de construire, je vais avant ça creuser un grand fossé justement sur toute cette zone, puisque je veux que ma base soit à la hauteur des pics qui sont en dessous, donc c'est-à-dire très très bas, de manière à ce que on voit moins la base, en tout cas de loin, et que surtout il y ait un risque de chuter dans le fossé qui va séparer en fait la base du reste. Hein. Donc voilà, je vais commencer les travaux, je vous tiens au courant au fur et à mesure de mon avancement. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve en jeu. Donc pour vous montrer un peu l'évolution, j'ai bossé un peu toute la journée. Donc voilà, la première partie, les fondations sont creusées. Donc c'est des grandes tranchées en fait, creusées de 4-5 de profondeur. Faut savoir qu'on a été pas mal dérangé dans la journée par des hordes incessantes de Z. Donc là j'entends encore des spiders qui crient, donc c'est un peu problématique. Et donc j'ai creusé ces grandes tranchées, et le but est de faire effondrer tous les carrés qui sont les 9 carrés qu'on voit en face, hein, de manière à avoir un terrain plat, mais en contrebas si vous voulez de la route. Donc je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. D'ailleurs le voilà, le petit spider. Je vais continuer sur cette lancée, je voulais dire, de manière à commencer la construction de la base normalement pour la fin de l'épisode.
Voilà, donc je vous laisse là, je vous reprends quand je commence à faire effondrer les petits terrains. Et voilà, on suit comme d'habitude l'évolution. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve brièvement pour l'éboulement du premier carré. Donc ça devrait pas tarder à se casser la figure. Donc je vais faire attention que ça me tombe pas dessus surtout. Parce que ça fait quand même relativement mal, hein. Voilà. Et voilà, évidemment, ça m'est tombé dessus. Ah non, c'est les pics. Je suis pas malin, moi. Dommage. Bah, j'ai presque fini, du coup, comme vous pouvez le constater, le premier carré. Hein. Il me reste un tout petit bout de terre. Bon, il est déjà 20h, donc je sais pas si je vais avoir le temps de finir. Je pense que si. Et du coup, vous voyez, je vais pouvoir très très vite commencer la construction, hein, puisque une fois que tout ça est tombé. Les 9 carrés, je peux donc attaquer ma construction. Les fondations seront finies. Voilà, donc je continue rapidement. Hop, on va le finir ensemble hein, quand même. Tant que vous êtes là, autant en profiter. Vous voyez, une fois que les tranchées sont terminées, ça m'a pris la journée hein, quand même. Hein. C'est le plus long. Mais une fois que les tranchées sont faites, après, il n'y a plus qu'à creuser comme ceci par en dessous. Et vous voyez, tout s'effondre. Et du coup, ça va très très vite à creuser. Vous voyez, quand même, un carré de 11 par 11. Voilà, donc je vais me dépêcher de rentrer à la maison, hein, puisque les aides vont pas tarder à courir. On va se mettre à l'abri, je vais aller miner tranquillement, et puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et coucou, on se retrouve un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, puisque encore une nuit IRL s'est écoulée. J'ai pas mal bossé hier soir, du coup je ne peux pas vous faire trop de vidéos le soir, comme vous le savez, hein, pour éviter de faire trop de bruit par chez moi. Du coup, bah voilà, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai fait. J'ai quand même pas mal bossé, j'ai pas mal avancé. Bon allez, j'arrête de discuter et je vous montre. Le trou est fini et j'ai commencé à placer les structures. Donc l'idée c'était effectivement de faire un grand fossé bah, pour le cacher, hein, le fossé, pour pas qu'on le voie de loin, pour cacher aussi un peu la base du coup, mais elle sera quand même visible. Et l'idée c'est de faire 9 structures, dont une centrale, hein, celle qui est déjà montée, faire 9 structures sur pilotis en béton, en concrète, donc très solide au niveau des zombies. Et du coup, avec des rebords envoyés sur l'extérieur, on voit les petits rebords, ça dépasse de un bloc, pour éviter que les spiders montent trop facilement. Avec des pics tout en dessous, donc on a commencé aussi à les placer, à les upgrader. Et du coup, avec des espaces entre chaque bloc, de manière qu'une fois qu'ils seront protégés par des keystones, qu'ils soient inatteignables par les ennemis. Voilà, puisque les ennemis ne peuvent pas poser des blocs dans les espaces où il y a des keystones. Donc très important. Donc aujourd'hui, bah, je vais continuer à farmer les matériaux. Je pense que je vais faire ça un peu cet après-midi. Et puis après ce soir, je continuerai un peu la construction. Je pense que ça va être un peu coupé aussi par une visite en ville, puisque je vais arriver au 50e jour de ma dernière visite. Donc je pense que je vais aller faire ça aussi. Donc on verra comment ça va se passer. Donc voilà, donc là je vais aller farmer tranquillement dans la mine. Moi, je vais vous amener vite fait dans la mine, hein, tant qu'on en parle, hein, pour vous montrer un petit peu. Hop, donc hop, on descend. Donc c'est un vrai labyrinthe, hein, notre base. Hein, elle est bien cachée, donc là on a une petite salle des forges, donc au sous-sol de la maison, blindée par des frames en bois. Hein, vous voyez, on descend par ici, et là tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, nous avons la mine et la bedrock.
Donc la bedrock qui est derrière cette porte, hein, voilà. Donc j'ai fait une petite salle qui sert à rien. Hein. Et ici, bon, on a la mine, donc qu'on a bien commencé, qu'on a bien attaqué un peu dans tous les sens. Donc je vais continuer à miner par ici, puis voilà, hein, je vais récupérer des ressources et ainsi de suite, comme d'habitude. Voilà, donc je vous laisse là, je vous reprends dès que j'ai des choses intéressantes, comme d'hab, à vous faire partager. Allez, à toutes. Ah, je vais y arriver. Voilà, et eh ben je suis en sécurité maintenant.
Coucou, on se retrouve en ville. Effectivement, hier soir, nous avons décidé de partir en vadrouille. Donc, on a été visiter la ville qui était près de chez nous. Et du coup, moi, je suis parti en solo me balader à droite et à gauche. Et je suis tombé sur une deuxième ville. Donc, la voici. Et dans cette deuxième ville, bonne surprise, nous avons trouvé, enfin, j'ai trouvé du coup, deux tronçonneuses supplémentaires avec 25 bidons d'essence. C'est génial. Donc je vais rassembler les affaires et puis je vais commencer à reprendre la route vers le campement. Et du coup je vous ferai une petite visite de l'évolution de la base. Voir un peu comment ça a avancé. Voilà. Donc je prends les affaires, je repars en ville ouais, au campement plutôt. Je vous tiens au jus. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve beaucoup plus tard dans le jeu en fait. J'ai eu quelques empêchements pour filmer plus régulièrement. Donc là, on se retrouve sur notre toit, hein, et j'ai la même surprise que vous. Sur le toit de notre immeuble, il y a un toit maintenant. Il y a un plafond, en tout cas. Ah, j'ai pas été voir encore tout en haut. On va découvrir un peu en même temps, hein. Donc comme vous l'entendez, c'est un peu infesté de Z dans tous les sens. Hop, voilà. Bon, bah le toit assez sympa. Hop là, j'entends. J'entends un vomito. Elle est déjà morte, c'est parfait. Il y a une espèce de grande tour, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Bon, on va pas monter dessus. Oh, allez, on va se tenter. D'accord, donc l'échelle s'arrête là, mais a priori, l'idée c'est d'aller très très haut. Et oui, on a une belle vue de là-haut. Ah, bah, comme ça, je vais pouvoir faire un petit morceau de vidéo ici. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une belle vue. Donc, le toit où nous nous trouvions, c'est vraiment infesté d'abeilles, etc. Hein. C'est vraiment une zone très très chaude. Je suis sorti tout à l'heure, vite fait, sur l'herbe. Là, il y avait. Oh, j'aime pas entendre ce genre de bruit autour de moi. Il y avait donc trois chiens à tuer. Donc je me suis fait courser tout de suite. Donc la tour, l'immeuble où on était a été aménagé autour des coffres. Mais c'est pas une fin en soi en tout cas. C'était pas l'idée. Après je sais pas si ça a changé au niveau du groupe. Hein. Ils font comme ils le souhaitent. On va redescendre par là. Vous voyez, la pyramide a été construite. Donc ça très très bien, hein, bravo. Du coup, je sais pas du tout comment elle a été construite non plus, donc on va le découvrir. Hop, je vais vous faire une petite visite de la base. Donc la base a bien bien avancé, hein. Elle est pratiquement terminée même. Donc on redescend toujours pareil au même endroit. Donc je vais me méfier un peu tout autour de moi ce qui se passe, puisque comme on peut le constater, il y a beaucoup beaucoup de Z dans les parages. Il y a des vomitos. Alors ça, j'aime pas du tout ces vomitos. Alors hop, je vais tout de suite me planquer à l'intérieur de la base. Et puis on va visiter un peu ensemble. Donc hop, ça c'est pas fermé, c'est cool. Ça, j'ai le mot de passe. Donc l'idée c'était de faire plusieurs pièces. Hein. Donc là c'est la pièce principale. Donc c'est la pièce où. Tiens, c'est curieux que les portes soient dans ce sens-là. C'est la pièce où certainement nous allons mettre donc le stock d'armes. Ou les choses très rares. Hop. Ici, je pense que ça sera le stock de ressources pour construire les fortifications autour de la pyramide. Par ici, donc hop, donc vous voyez le mot de passe, hein, c'est pas bien grave puisque normalement quand je diffuserai les vidéos, la partie sera largement terminée. Donc ici, nous avions normalement prévu, c'est une bonne question, je ne sais plus ce qu'il y avait de prévu. Il y avait une salle des forges, donc je sais pas si ça sera celle-ci. En tout cas, la salle d'après, ça sera normalement. Alors là, il y a encore une chambre. Ici, ça sera les cuisines. Donc, je pense se faire un accès d'ailleurs. C'est bizarre qu'ils aient pas fait d'accès là. Un accès vers l'extérieur, hein, vers le jardin direct. Peut-être que l'accès il est en haut. Ouais, ça serait peut-être moins surprenant en tout cas. Voilà.
Donc en gros, la plupart de l'architecture est terminée. Tiens, c'est marrant, ils n'ont pas suivi ce que j'avais fait ici comme exemple. Bon, c'est pas très grave. Voilà, l'idée c'était de faire vraiment 9 pièces, les unes à côté des autres, le tout renforcé en béton, avec des pics en dessous pour que les aides puissent s'auto-tuer en quelque sorte. Ça grouille dans tous les sens. Je vois qu'ils ont terminé la pyramide aussi. Je vais aller regarder ça de plus près. Où est-ce qu'on descend? Par ici. Donc on va aller regarder la pyramide tranquillement. Là, je peux pas l'ouvrir. C'est dommage. Voilà, on va faire attention, effectivement. Je peux pas sortir par là. On va regarder s'il n'y a pas une autre sortie. Toc. Hop, ah, évidemment, je ne vais pas pouvoir sortir là. Voilà, on va ressortir par là et puis on va aller voir directement, hop, en prenant notre fusil à pompe en main, puisque c'est quand même très dangereux dans le secteur. Vous voyez les fossés qu'ils ont créés, quoi, c'est dingue. Hein. Donc on va aller voir de ce pas si je trouve une sortie vers l'extérieur, ça serait sympa. Bon, je vais sortir par là directement. Du coup, je ne saurais pas forcément par où re-rentrer, mais c'est pas grave. Elle est invincible cette abeille ou quoi là? Ah bah dis donc. Hop là. T'es pas obligé de me taper. Donc on va aller voir cette petite pyramide rapidement. C'est ultra brûlant la zone, hein. J'avais pas imaginé que c'était aussi chaud. Je vois une autre construction aussi là-bas. Ça doit être une tour de défense. Donc voilà la pyramide. Elle est pas lisse, donc on est obligé de monter. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, hein, puisque du coup ça oblige à prendre du temps, hein. Donc ok, on est au sommet de cette fameuse pyramide de 40 par 40, elle est quand même assez impressionnante. Hein. Alors je sais pas pourquoi il a mis des espèces de renforts comme ça. En tout cas, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais pensé faire. Bon, c'est pas très grave. Hop, ça c'est le dessous de la pyramide. Donc le dessous est vide, a priori. Donc c'est pareil, ça c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. Mais bon, on va voir comment on peut s'organiser tout ça. Il y a une tour de défense a priori par là-bas, donc on va aller regarder aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Hein. Hop, très joli, en tout cas l'architecture est vraiment sympa. Merci. Ok, bah je suis mort en direct, c'est parfait. J'avais pas vu le trou, j'avais pas vu les pics, c'est génial. Donc on va récupérer le sac. Ok, donc je suis où? Je suis là. Je vais aller prendre des frames. Donc ce qui est assez étonnant, c'est hop, que ça ressemble un peu à une base. Alors on va aller regarder ça. On va choper des frames, je sais pas si on en a, donc ce serait plutôt sympa d'en avoir. Hop là, il y en avait là. Non, c'est pas des frames. Il faudrait des wood frames, ça serait bien. Donc je vais refermer un peu les portes derrière moi pour pas que les aides rentrent quand même. Je vais aller regarder rapidement là-haut. On commence à avoir vraiment des stocks assez importants, hein. D'un peu de tout d'ailleurs. Bon. J'ai bien peur de pas avoir de frame. Ça, c'est pas cool. Je vais être obligé d'en fabriquer. Ça va me prendre du temps. Et j'ai pas le temps du tout. En même temps, j'ai sauté dedans comme un fou furieux. Ça m'apprendra. Bah écoutez, hein, je crois que on va y aller un peu plus à l'arrache que prévu. J'ai même pas de bois, je crois. Je vais m'attraper une tronçonneuse, je vais couper quelques rondins de bois et puis on va y aller comme ça. Hein. Alors, la tronçonneuse. Hop. C'est parti.
Alors c'est vrai que c'est... Hop, je vous coupe ce bruit qui casse un peu les oreilles. Donc, on va sortir par ici. Voilà. On va foncer directement, tête baissée, à l'endroit où nous sommes morts. Donc en passant, je vais couper un peu de bois. C'est vraiment sympa, hein, avec l'éclairage ça donne bien. Hein. Alors il y a du monde devant. Oh punaise. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Ok. Évite de me tuer, ça serait sympa. Où est-ce qu'est mon sac? Alors ça c'est une bonne question. On va voir à l'intérieur. Ok. Il doit être sur le toit. Alors comment on accède au toit? C'est pareil, c'est une très bonne question. Il y a des portes, il y a des portes, il y a des portes. C'est pas par là. Ah tiens, on va aller vérifier en bas, il y a un petit coffre. Alors là, ok, accès vers le bas, donc c'est pas là, il doit être vers le haut. Alors faut juste que je trouve où est l'accès pour aller en haut, il doit être là, voilà, super. C'est un labyrinthe de portes, hein, génial. Maintenant, il faut que je trouve l'autre accès pour continuer à grimper. Ça doit être là, puisque je vois que... Voilà. Ah, dis donc, c'est si c'est chaque étage est comme ça, je suis pas sorti de l'auberge, là. C'est vraiment... carrément sécurisé ici. Là c'est fermé, là c'est fermé. Je vais être obligé de défoncer les blocs si c'est fermé. J'aimerais bien récupérer mon sac qui est en haut quand même. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller hop, chercher d'autres troncs d'arbres. Si je retrouve la sortie évidemment. Donc je crois que je suis chez l'Ophophora, hein, je pense. Désolé pour la casse chez toi, mais mon sac est important quand même. Juste deux petites tronçonneuses dedans. Ça devrait suffire. Avec celui-là, 47, c'est parfait. Allez, je récupère mes affaires. Du coup, je vous passerai la visite de cette tour, puisque j'aimerais bien juste récupérer mes affaires et j'ai des choses à faire après. Donc, toc. Ah, le voilà, mon fameux sac. Aïe 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 aïe. Alors ça c'est ballot. Deuxième mort. C'est vraiment pas cool. Là je suis désespéré parce que mes affaires étaient dedans. Je suis vraiment pas content là. Allez. Alors je vais prendre ça. Tant pis pour les autres qui viendront après. Là maintenant j'en ai un peu marre de perdre mon temps. Alors, on va prendre ça, hop, on va passer là. Voilà, en plus, je me fais avoir encore dans mes pics à moi cette fois. Allez, hop, c'est parti.
Ah ouais, je suis tombé de mon tronc d'arbre, ça c'est vraiment ballot. Donc je récupère mes affaires, de toute façon je vais arrêter la vidéo ici, je récupère mes affaires et bah, je vais déconnecter après, donc rien de particulier à vous montrer d'autre. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Ça termine plutôt mal, hein, puisque je suis mort je ne sais combien de fois. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Et puis on se retrouve... très bientôt pour la suite de cette saison 3. Allez, à plus. Ciao, ciao.